أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا رجال الله الحمد لله that Allah عز وجل grant us to be here in this holy month of the holy birth of Sayyidina Muhammad Abdullah Salatu Wasalam. And we are longing for divine presence, for his pleasure, and raising our hand, asking also for our Sheikh and our elder, Sheikh Bahauddin, son of Maulana Sheikh. That is in difficulty with his health. Allah grant him shifa. Ya Shafi, ya Muafi. He is the healer, ya Rabbi. We are raising our hands to ask for the honor and the sake of crown of creation, alayhi salatu wasalam, and the sacredness of this month, in which you have chosen to manifest your beloved one. By the love of your beloved one, grant him healing and shifa, to be strong as before, and to be in good condition, and to be always prime into his power and into his strength to serve Maulana Sheikh and to serve the entire room. It is c'est un temps bienheureux que le temps de la célébration. L'Est en Ouest, dans toutes les contrées, dans tous les pays, dans les villes, dans les campagnes, les musulmans soulignent durant ce mois un événement précieux, une annonce précieuse que Allah Azza wa Jal a faite lorsque était annoncée l'arrivée de son bien-aimé prophète, son ami Karim Stéphane. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est l'archétype de l'accomplissement. He is the perfect, the absolute perfect servant. Allah Azza wa Jal bestow on him Hadrat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perfection. Khair al-Khalqillah is the best of creation. And Allah Azza wa Jal perfected his soul, perfected his light, perfected his physicality. Chaque manifestation de son être a été amenée à l'accomplissement suprême. Ainsi, lorsqu'on parle de sa lumière, elle fut créée en premier, et de sa lumière, toute chose a été mise en branle. Quand on parle de sa physicalité, il n'est pas arrivé dans ce monde comme les autres. Il est arrivé sans cordon ombilical, déjà circoncis, et dès qu'il est sorti, il a fait la shahada et il est tombé en sajda. Et il a commencé à parler. Et on disait de son intelligence qu'elle n'avait aucune commune mesure avec le commun des mortels. On disait de sa connaissance que la connaissance procède de lui. Il
il était la manifestation de la connaissance que Allah Azza wa Jal a descendu, telle une fontaine descendue des cieux et qui se renouvelle chaque instant et qui, tout ce qu'elle touche, illumine de cette connaissance-là. Son caractère, Allahu Akbar, son caractère, plus beau que tous les mots décrits dans toutes les langues pour décrire la beauté et la magnificence. Et de l'avant dans son caractère, des traits particuliers, comme la droiture, la miséricorde, l'amour, l'attention, l'humilité, la générosité, le don de soi. Et on décrit sa physicalité forte comme celle de 40 hommes. Il a porté des fardeaux dans sa physicalité qu'aucun homme ne pouvait porter. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il l'a amené pour Isra wal Mi'raj, dans le firmament de la création, a traversé plus vite que la lumière sur le Burak, il est parti avec son corps, sans que ni la chaleur, ni le froid, ni le vide, ni l'obscurité, ni la vitesse, ni aucune des lois qui régissent ce monde et qui régissent la akhir n'interfère et n'altère et n'inconforte son corps. He put his footstep in Jahannam when he visited Jahannam. And they say that the lowest level of hellfire cooled down at the contact of his foot. Et il a magnifié, il a manifesté la magnificence d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal l'a manifesté avec des traits, la beauté de son caractère a été enveloppée dans l'humilité et dans une douceur exceptionnelle. His kindness had no common measure. His kindness is rahma and his love to everything created out of love for Allah. Chaque créature le célébrait. Le vent faisait sa louange. Les arbres, dans leur mouvement, faisaient sa louange. Les nuages se précipitait pour venir le protéger du soleil. Le soleil étincelait sans le brûler. Subhanallah. Allah Azza wa Jal l'a manifesté sur une douceur de caractère qui a laissé aucune créature qui l'a approché indifférente. Even the worst of his enemy praised him. Even the worst of his enemy praised him and recognized his nobility of character. Ils n'ont pas accepté le rôle du messager qui venait abolir leur privilège et qui venait rétablir le droit d'Allah
et la liberté des humains, qui venait rétablir l'équilibre entre les créatures. Alors ils l'ont combattu. But they recognize his magnificent character. He was named Al-Amin, le digne de confiance, the trustworthy one. Avant même que ne soit manifestée la révélation, on savait que s'il y a un litige, ou s'il doit y avoir un témoignage, ou s'il doit y avoir un homme au cœur impartial, qu'aucune influence ne peut atteindre, c'était le bien-aimé d'Allah, Habib Ikal Mustafa. Et ô combien il a, ébloui les compagnons. What they saw, we will never be able to understand. What they felt, what they tasted, what they experienced. How their inner state raised in the presence of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Certains d'entre eux ont touché le paradis de par son compagnonnage. They touched Jannah, some of the Sahaba. They saw it while alive, walking among humans. Some of them touch angels. They witnessed them, and angels came and shake their hands. Some of them, certains d'entre eux, c'est les créatures maléfiques qui s'éloignaient d'eux. Shaitan will run away from them. Certains d'entre eux, alors, de cette rencontre, ils ont éteint leur propre moi et se sont annihilés dans la présence d'Allah. Et de cette rencontre, ils ont brillé, Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu warda, comme mille feux, comme des étoiles, comme les a comparés le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a comparés aux étoiles. Ashabi comme le jour. Comme des étoiles. Et tout cela par une rencontre. Alors, combien sommes-nous loin de cet exemple? Today, how far we are from that example? How far we are from following his footsteps? How far we are from imitating his way? Il était la manifestation de l'attention. Il était la personnification du bien. Sa générosité a laissé tous ceux qui l'ont rencontré perplexe. Il est celui qui n'a jamais demandé son droit aux humains. Not like us. He never asked for his right. Si on essaye juste
une heure de ne pas demander notre droit pour se mettre à l'épreuve. Juste une heure. See, if we want to try even 1 hour, not to ask for our right, let's try. To be on Sirat al-Mustaqim, on le chemin, l'absolu chemin, le chemin de l'accomplissement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé au tranchant d'une épée. C'est excessivement difficile de rester dessus. Si tu t'écartes d'un cheveu, tu l'as quitté. Et garder la discipline pour un moment, grand cher, c'est Nasher Abdullah Faizadeghistani. Allah ennoblisse et élève son secret et nous accorde de son regard dans ce mois béni. Il discutait avec un cher du Cham. Et il lui disait, Shariatullah, c'est l'état de perfection. It is the state of perfection. To follow it perfectly is impossible. Il disait, suivre la charia complètement, c'est tellement difficile, c'est impossible pour le commun. Et il a dit, même pour quelques instants. Alors le cheikh, il était un peu titillé. Et si tu te restreins, tu fais attention, tu gardes tes yeux et ainsi de suite, peut-être tu vas arriver. Et grand cher lui a dit, tu veux essayer 5 minutes. Essayons de voir si tu peux garder le comportement pur, exempt de défaut. 5 minutes. Let's try if you can keep your behavior clean and perfect for 5 minutes. So the work started. Alors le cheikh, il s'est recentré et il s'est assis, il a commencé à surveiller tous ses mouvements, ce qui s'assurait de ne pas lever le regard, pour ne pas regarder et ainsi de suite, et doucement faire attention à ce qu'il disait et remplir toutes les bienséances. Même s'asseoir, il y a un protocole. Quand on est assis, il y a un protocole. C'est pour ça qu'on apprend à s'asseoir comme ça. Ou on apprend à s'asseoir d'une certaine façon. C'est sûr que quand on rentre et on s'assoit comme ça, les jambes tendues, dans un majlis, ça ne passe pas. Même si ça nous fait du bien, parce que c'est difficile pour nous de garder les jambes liées, parce qu'il y a un protocole lié à ça. Alors que dire de celui qui tend les jambes vers la Qibla? Ou alors qui crache? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Il n'a jamais craché sur la terre. Par respect pour la terre. He didn't spit on the ground. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. If he had to spit something, he will spit into something he can fold, not to spit directly on the ground. Il n'a jamais poussé quelque chose avec son pied. Combien de fois on pousse les choses avec notre pied? On a juste la porte. Ça c'est si on n'a pas poussé quelqu'un. Allez, pousse-toi du chemin. Et les machers, ils enseignent, they teach refinement of behavior to that extent. And I remember with Orana Shekisham,
always is walking with a stick, and if there is something, he will move it with the stick. And he will tell us, Grand Sheikh, never allow us to touch anything with our foot, out of respect, because that stone is a divine creation making zikr. Alors, notre alim, il se surveillait bien. Ils étaient en train de... Vous savez, quand on est dans les assemblées des Fukara et des Machers, on dit la moitié du chemin, c'est le thé. Half of Tariqa is tea. So they were sitting, they had tea. And he had his glass of tea. You know, like they put in Sham, there is a small... And they put the sugar on the side, you put inside, and then they turn the tea. And after 5 minutes is passed, the Grand Sheikh told him, you fail. Oh, how I fail. Il a dit, tu as tourné le thé. Il dit, mais j'ai rien fait de... I just turned the tea, I didn't do anything wrong. He said, yes, you did something wrong. This is useless. C'est un geste inutile, cher Abou. Le thé est déjà sucré et il n'est pas chaud. Quelle était la nécessité du geste? Dans l'absolu, c'est un geste inutile. Et il lui a dit, jusqu'à ce niveau-là, lorsque l'humain s'accomplit, il se déploie et sa vie devient une chorégraphie d'excellence. His life become, when the servant accomplishes himself, his life become a choreography of absolute excellence. Comme quand vous allez dans les arts martiaux. On a quelques adeptes ici. You go to martial arts. They repeat the same thing all over again. Ils répètent des années. Et à chaque fois, ils vont chercher la perfection du mouvement. Et quand ils arrivent au summum de l'excellence de leur art, ils doivent faire une démonstration. Où est-ce qu'ils font leur kata? Et il faut que la synchronisation soit absolue. Il faut que le mouvement soit parfait. Il faut que la concentration soit parfaite. Il faut que l'équilibre soit parfait. Il faut que le chi, lorsqu'il est déployé dans le mouvement, l'énergie, soit parfaite. Il faut que le souffle soit parfait. Il faut que le regard soit parfait. Il faut que l'attention soit parfaite. Il faut que le relationnel avec tout ce qui nous entoure soit parfait. Ça, c'est juste pour un art martial. Pour les meilleurs maîtres, des décennies, ils vont pratiquer. For decades, they are going to practice themselves just to master, to be able to make a demonstration that will last 10 minutes, 15 minutes. And you have all the masters. They are sitting and watching, and they look. He trained all his life, just for doctor. What about the character? Si juste pour maîtriser le déploiement corporel sur un art demande autant de travail, alors qu'est-ce qu'on va dire d'accomplir le caractère qui est infiniment plus complexe que la manifestation corporelle. Excuse me, you're staring at me, sir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a
manifester cet accomplissement de perfection. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a manifesté l'absolue suprématie de la créature que Allah azza wa jal a parfait. Il a dit une fois, Adabani Rabbi, mon Seigneur m'a enseigné la bienséance. He taught me Adab. He taught me perfection of behavior. Ce que 1000 chevaliers ensemble, si on leur donnait chacun 1000 ans et qu'on les magnifiait pendant 1000 ans, ne pourraient pas accomplir, Allah Azza wa Jal l'a descendu sur lui. Et il a dit, Alam nashrah laka sadrak, wa wada'ana anka wizrak, alladhi ankada dhahrak, wa rafa'ana laka dhikra. Allah Azza wa Jal l'a allégé de tout ce qui pouvait l'empêcher de s'élever et d'être parfait. Et par la suite, il a élevé la mention de son nom. Pour nous montrer le chemin, pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer qu'il y a une possibilité. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Allah Azza wa Jal lui a donné cet ordre. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Il a dit, suivez-moi. Si vous aimez vraiment Allah, follow me, suivez-moi. Because if you follow Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then he is the manifestation of perfection. But you cannot follow that one you don't love. Ittiba' al-Rasul, it implies mahabbat al-Rasul. Pour pouvoir le suivre, il faut l'aimer. C'est un chemin qui est basé sur l'amour. L'amour. Un mot qui nous échappe aujourd'hui. On s'aime soi-même, évidemment. Hobb Dunia, il n'y a pas de question là-dessus. La matérialité et tout ce qu'elle représente, nous l'aimons. Mais aimer Allah, aimer son prophète, quelle difficulté. Quelle difficulté, parce que le cœur, il est omnibulé. Le cœur, il est accaparé. Le cœur, il est rempli d'obscurité. Le cœur, il est rempli d'illusions. Le cœur, il est rempli d'idoles. Our hearts are full of idols. All these tarot, they are not outside. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu et qu'il a conquis la Kaaba, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la Kaaba, tout ce qu'il y avait comme idole. Every idol inside, he threw them and broke them. Every one of them. Except one. One thing he didn't destroy. Il y avait une chose qui était dans la Kaaba qui n'a pas détruite.
laquelle Sadatuna Maria. There was a drawing of our mother, Sayyidah Maryam, that belonged to the Christian and they put it there. Il y avait une image. Ça, il a pris, il l'a remis aux chrétiens. Il ne l'a pas détruite comme les autres. Pour nous montrer le chemin. Kaaba, Kaabatullah. La Kaaba, Beytullah. Hein? We call it Beytullah. La maison d'Allah, symboliquement. Kalbul Mu'min, Beytullah. Le cœur aussi, il est la maison d'Allah. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a chassé, il a vidé la Kaaba des idoles, le croyant, il doit vider sa Kaaba intérieure de toutes les idoles. Amen. We have to empty also our heart from all idols. Amen. And illusions. Amen. And so many. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai pas de crainte sur ma umma qu'elle va commettre le shirk. Ils ont cru en Allah. They believe they will not deviate from belief. But I am most afraid of shirk khafi. L'idolâtrie cachée, hidden one. L'idolâtrie cachée, elle nous remplit la poitrine, à tous. Et il ne faut pas avoir la prétention, l'arrogance, la condescendance, de dire non, moi j'ai pas. La colère est une idole. Dès qu'elle te prend le contrôle et que tu oublies Allah, on a même des idoles halal. Boisson gazeuse. C'est les Algériens. On ne va pas parler de... C'est des Youssouf, il attaque les Algériens avec les Selecto aujourd'hui. Il va demander aux Somaliens, il est parti. Coca-Cola. C'est quoi leur histoire avec Coca-Cola? Il n'y a pas d'Algérien aujourd'hui. C'est Raïba Sol. Si, si. Mais ces idoles cachées dans le cœur, ô combien nombreuses. So many of them. Because as soon as a bad manner comes, finish. Une fois, Maulana Cheikh, on était dans le... On était à Los Angeles. Il y avait une conférence. Et il y avait un représentant du gouvernement japonais. Il était venu. Et he was following Maulana Sheikh, this representative from Japanese government. Durant toute la conférence, il était là, il observait, il prenait des notes. Et à un moment donné, il a demandé une audience. Voilà ma chère. Il était dans une chambre, il se reposait, il est venu, il a posé, il a dit, je viens, on m'a envoyé pour regarder ce que vous faites et pour prendre des sagesses parce que
Notre peuple, il a un défi comme tous les peuples. Et je vois quelle sagesse on peut avoir de vous et quels sont vos conseils. Et Maulana Cheikh, il l'a conseillé. Il a donné quelques conseils, surtout sur la pureté. Que l'humain doit faire attention à la pureté de son corps, à celle de son esprit, à celle de son cœur, donc à la pureté constante de tout ce que nous avons. Et ensuite, comme on était là-bas, il nous a posé une question pour nous faire réfléchir, comme il savait faire en la chair, à cette question. Il a dit, quand un homme, la Hayafidin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, quand un homme rentre en intimité avec son épouse, ils doivent par la suite faire ghusl. Pourtant, c'est un acte légitime. C'est un acte halal, s'ils sont mariés. Et ce n'est pas simplement un acte halal, c'est un acte, c'est une ibad. D'adoration. Intimacy between husband and wife is halal, is ibad, it has a reward. So then, Maulana Sheikh Nazim asked us, if everything about it is okay, why Allah ask for us to make ghusl? Pourquoi Allah il nous demande de faire le ghusl? Tout le monde il regarde ses pieds, même les ulama qui sont là, ils ne peuvent pas répondre. Parce que sur des questions comme ça, ce n'est plus une question de... Il y a une réalité en arrière. Il a dit, parce que dans l'intimité, lorsque le plaisir monte et qu'il arrive à son firmament, dans cette extase, le serviteur est dans un état de shirk complet. Comment? Parce que quand le bonheur l'envahit, il n'y a aucune façon, ni dans son esprit, ni dans son cœur, qu'il pense à son Seigneur. Aussi simple que ça. When pleasure comes to its top, the servant is so swimming into his pleasure that he has no more consciousness. And it is impossible for him at that moment to think, to have hudurullah, to have a conscious of the presence of his Lord. And it's safe for a small instant. He enter in absolutely disconnection and is the summum of his pleasure become a partner to divine presence. See, that's why Allah made it like that, made it halal, gave it as hasana on it, and then say to the servant, then go and refresh completely yourself and you re-enter in Islam by making your shahada. Ajib. Alors, cet état de shirk nous accompagne, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, dans bien des choses. Quand il est dans ce qui est autorisé, Allah Azza wa Jalla l'a autorisé. Mais quand c'est dans nos mauvaises manières, et dans notre caractère, et dans nos mauvaises habitudes,
et dans notre kibr, et dans notre fierté, dans notre arrogance, dans notre colère, dans notre amour, dans nos passions étranges, elle nous accompagne tout le temps. Elle fait ça là, tu rentres dans la prière, Allahu Akbar. Tu es censé être dans la manifestation de la présence d'Allah. C'est comme ça. Donc, as soon as you may Allahu Akbar, you are taken into divine presence. Maybe tomorrow, if I put a little bit more of this flavor in my potato, my customer, they will like it more. Well, today, they brought me my Hydro-Québec bill. How it is possible? It is double than last year. Oh, my wife, she is a little bit like this. Qui est concentré dans la prière et qui est comme s'il est devant Allah Azza wa Jalla? Tout de suite, l'esprit il va ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il sait tous les sahaba, if one can keep, can pray two rak'ah and his mind is focused, I give him my jubba. Il dit, je lui donne ma jubba, si quelqu'un il peut faire ça. Oh, ils sont tous venus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jusqu'à l'autre, il est venu, Sayyidina Ali, Karamallahu Wajhah, notre honorable, le prince au visage lumineux. Il est venu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Tout de suite, il a souri. Et le prophète, salamu alaykum, il lui a dit, dis-leur comment le shaitan il t'a trompé. Il a dit, j'étais concentré complètement jusque vers la fin, je pense, laquelle des djoubas. Shaitan, il est venu dans le waswas pour lui dire, quel djouba? Parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que c'est celle qui est blanche ou c'est celle qui est... C'était fini. Mais ça, c'est des défis qui sont purs et qui sont propres pour eux. Hein, lui, il pense qu'elle djouba. Nous, on pense... on ne veut pas dire des choses. On ne veut pas dire des choses ici. Ouh. Ah non, 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 non. Les 10 commandements qui ont été donnés à Sayyidina Moussa, alayhi salam, tu ne convoiteras point la femme de ton voisin. Et combien ils ont pensé à la femme de quelqu'un d'autre quand ils sont en train de faire la prière. Relatif. Qu'Allah nous protège. Qu'il nous protège de nous-mêmes. Qu'il nous protège de tomber dans les égouts. Les égouts du shaitan. Par la grâce et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la magnificence de sa station, de son aura, de son étincelance, par l'amour que Allah lui accorde, par l'attention que Allah lui accorde, de par son intercession, que nous soit accordé de rentrer dans la présence d'Allah et dans sa satisfaction. Ila hadratina bil fatiha.